Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mr. B. J'espère que vous allez bien. Moi, Mr. B, je vais super bien, très très en forme. Et j'ai décidé de vous faire cette vidéo là parce que je suis très heureux, je suis très en joie et aussi je me retrouve sur un chantier qui fait aussi la fierté de la Côte d'Ivoire, de la nation ivoirienne, de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes et aussi de toute l'Afrique, les gars. Donc, c'est une vidéo de reconnaissance. Je vais ici manifester ma joie parce que là où je suis là, c'est un chantier de construction, c'est la voie IRED4, la voie express du quatrième pont. Donc si je m'arrête et que j'essaie de me retourner, vous allez voir certaines machines derrière moi sur ce site là en train de travailler. Et bien vous voyez la largeur de cette voie. Cette voie, c'est, nous sommes ici à Yopougon, route du palais, et cette voie mène jusqu'au plateau, ensuite à Cocody, mais en provenance d'Abobo, Ebempe, Abobo, Ndotré, où il y a la voie Y4, le contournement d'Abidjan. Eh bien les gars, je suis très ravi de faire cette vidéo là parce que je me reconnais en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen ivoirien qui contribue aussi à la au développement, parce que je fais la promotion et la valorisation de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je félicite tous ceux qui le font aussi. Hein. Voilà, donc je voudrais dire un grand merci aux autorités. Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui participent au développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire un grand merci à tous les Ivoiriens, à tous les ouvriers qui travaillent jour et nuit, nuit et jour, pour pouvoir mettre des systèmes en place pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une tâche assez particulière, les gars. Voilà. Donc, tous ceux qui aiment ça, aimez cette vidéo, likez cette vidéo-là, parce que c'est très, très important de savoir qu'on aime son pays et de faire un geste qui prouve qu'on aime son pays. Voilà, les gars. Donc, moi, je dis un grand merci d'abord au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait, pour tout le sacrifice qu'il a consenti pour le peuple ivoirien, pour nous les Ivoiriens et pour tous les Africains aussi. Parce que lorsqu'on parle du développement d'un pays, ce pays-là vient d'un continent forcément, et ce continent-là, c'est l'Afrique, et ce qui fait la fierté de l'Afrique. Et après le président, je voudrais dire un grand merci à tous les ministres, à tous les ministères qui contribuent au développement de notre pays, au ministère des infrastructures routières. Qu'est-ce que je dis? Au ministère des infrastructures routières, et bien pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire un grand merci à toutes les autorités compétentes qui travaillent pour le développement de la Côte d'Ivoire et surtout avant la CAN 2024. Et aussi, je voudrais remercier tous les acteurs qui travaillent dans la pour l'organisation de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Eh bien, ces personnes, on doit les féliciter, on doit les remercier. Donc, attelez-vous au travail. Travaillez dur, faites en sorte que cette CAN soit la meilleure CAN de l'histoire de l'Afrique. Voilà, parce que il faut que de beaux souvenirs restent après l'organisation de cette CAN. Il faut que nous aussi, nous puissions réviser, revoir les images de cette CAN-là après la CAN. Donc, je voudrais parler ici des infrastructures routières. Merci à tout le monde. Merci. Je voudrais en profiter en même temps pour dire merci aussi à tous mes abonnés, tous ceux qui ont aimé ma vidéo, qui regardent mes vidéos, qui partagent mes vidéos, tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne depuis le début et ils sont toujours abonnés, tous ceux qui, depuis le commencement, sont avec moi, qui me soutiennent à travers leurs messages, leurs commentaires et aussi qui partagent mes vidéos à travers, pour faire découvrir mes vidéos à d'autres personnes. Je vous dis un grand merci de rester avec moi et ensemble nous allons continuer, ensemble nous allons arriver. Merci à toutes les autorités du pays, merci à tous les gouvernants de ce pays,
à tous ceux qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Merci aussi à mes frères qui font les vidéos pour pouvoir, n'est-ce pas, montrer les belles images de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis très fier de vous. Je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I am Mr. B. Peace out.